what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world up. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Il fait un vent de fou dehors et il pleut. On est mardi aujourd'hui. Reprise pour Stacy. Mais bon, ça va être une reprise en douceur. Elle fait 8h-11h. Bon, cet après-midi, elle a une grosse journée. Mais elle a que 2 jours cette semaine. La semaine prochaine, comme lundi c'est férié, ben, elle n'a pas cours lundi. Donc elle reprendra seulement mercredi et vendredi. Voilà. Et encore, je me demande, Stacy, parce qu'on avait eu un mot comme quoi que tu étais libérée le 10 et le 11. Et c'est quand le 11? Je sais pas. On verra, maman, on a le temps. Bah, c'est la semaine prochaine. Hein. Bah, ouais, on a toute une semaine. Elle me dit on verra, maman, j'ai le temps. On a toute une semaine. Bon. Donc, du coup, voilà. Je pense que cette fin d'année va passer très très vite. Je suis en train de plier mon linge qui sort du sèche-linge avant qu'il se chiffonne. Parce que vous étiez beaucoup à me demander, est-ce que ton sèche-linge chiffonne? Alors non, pas du tout, parce qu'en fait, il a une option. C'est ce qu'il n'y avait pas dans les anciens sèche-linges. En fait, ce n'est pas le sèche-linge qui chiffonne, c'est le fait de laisser le linge poser dans le sèche-linge. Vous voyez, souvent, il est chaud, en fait, et on le laisse poser, et du coup, bah, il reste en boule et il se froisse. Le truc, pour pas avoir un linge qui est chiffonné dans le sèche-linge, c'est de le retirer tout de suite. Et maintenant, les nouveaux sèche-linges, ils ont une position anti-froissage qui continue à brasser le linge tous les autant de temps. Donc, du coup, non, mon linge n'est pas froissé. Et s'il est froissé, alors, je vais vous montrer, là, sur un pyjama à grès, vous voyez, là, c'est un petit peu... on va dire, voilà, un petit peu chiffonné, mais il suffit de un peu, hop, secouer. Vous venez le mettre correctement. Alors moi, je vais sûrement peut-être donner un coup de fer, mais à voir. Et en fait, comme il sort du sèche-linge avec vos mains, vous venez comme ça, là. Et les plis s'en vont, quoi, en fait. Franchement, non, c'est pas, il froisse pas. Mais bon, ça, moi, les pyjamas, j'aime bien parce que je les mets l'un dans l'autre, en fait. J'ai une technique pour les ranger, un peu comme les draps. Hop. Par contre, c'est vrai qu'on voit la différence sur les serviettes. Qui sont rattrapées, leur petite douceur, là. Qu'ils ont rattrapé leur petite douceur. Enfin, vous m'avez compris. Du coup, j'ai l'impression qu'il fait froid. Avec le vent, là. Alors, je sais pas, Greg m'a dit... ce week-end, je mets le spa. Ils annoncent du beau temps et tout. 25 à l'ombre, donc ressenti beaucoup plus. Alors, je sais pas où est-ce qu'il y a vu ça. Hein, parce que moi, j'ai vu de la pluie, quoi, en fait. Hein. Donc, à moins que ça change d'ici là, ça a repassé aussi. Mais, ouais. On verra. Alors, logiquement, le programme aujourd'hui, Greg doit aller à la déchetterie. Et on va sûrement continuer à... enfin, mettre les petites fleurs. Alors vous étiez beaucoup à m'envoyer des messages en me disant ah fais attention, c'est pas les sèche-linges, c'est tôt pour les plantations. Mais en fait on plante rien dans la terre, en fait c'est dans les dans des pots, dans des jardinières. Donc au pire, quand je vois qu'ils annoncent du gel, je rentre. Voilà, je rentre mes petites fleurs. Mais autrement je pense qu'on devrait plus en avoir, enfin logiquement. Bon, après, c'est la semaine prochaine, hein, les sunglasses. Hop, allez, je vais finir de faire ça, me boire mon petit café, puis aller conduire Samis. Et ensuite, comme je vous ai dit, on va attaquer. J'ai quoi à faire aujourd'hui? Il faut que je regarde. Il faut que je fasse ma petite liste parce que j'ai trop de trucs en tête, encore une fois. Je vais faire ça. Allez, je finis de ranger ça et je vous dis après ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. J'ai encore une fois plein de trucs dans la tête. J'ai plein de trucs que je veux faire en ce moment. Et ce que je vous disais, hein, que j'ai pas de mes journées ne sont pas assez longues. Ah, ça y est, je t'ai déposé Stacy. Un temps de caca. Il pleut, il fait gris. Pff. Bref, je vais vous montrer comment je fais mes...
vous ai dit les pyjamas. En fait, je mets tout comme ça, l'un dans l'autre. Je vous montre. Un peu comme le système des draps, je vous avais fait montrer comment je pliais mes draps. Là, c'est la même chose. Du coup, maintenant, la buanderie, enfin, dans le dressing, tous les pyjamas sont comme ça et on voit directement et on prend et on a directement le haut et le bas ensemble. Alors, en fait, donc là, c'est le pantalon. Je vais vous le déplier. Alors, je plie le haut, donc normalement, hein, comme on plie un t-shirt, et je viens le poser, vous voyez, là où il y a l'entrejambe, en fait. Voilà, je le pose là. Je viens prendre le petit coin ici, donc qui a l'entrejambe, je viens le mettre là pour avoir un grand rectangle, en fait. Et ensuite, ben, je plie une fois. Là, je viens recouvrir, du coup, avec, là, c'est la bouille à l'élastique, et voilà. Et du coup, ça fait un seul bloc. Et comme ça, quand ils me prennent le pyjama, je ne sais pas si vos ados font ça, mais ils adorent mettre le haut avec le bas d'un autre pyjama. Voilà, ils prennent au pif. Là, au moins, ils prennent tout d'un coup. Voilà, il n'y a pas de haut, de bas. Et puis, il n'y a pas le bordel dans la main parce qu'ils prennent juste le pyjama entier. Voilà. Donc, mon petit truc. Allez, du coup, j'avais pratiquement rien à repasser. Je vais déjeuner. J'ai envie d'un truc bizarre ce matin. J'ai envie de manger le gorgonzola à la cuillère là. Ça paraît bizarre quand même. Mais bon, comme je dois manger en fonction de mes envies, voilà, dans ma démarche en fait, voilà. Donc du coup, on va se manger un morceau de baguette avec du gorgonzola cuillère et un petit café. Voilà, et peut-être un petit fruit pour aller avec. Alors, sinon, avant de déjeuner, le menu aujourd'hui, ce midi, c'est des galettes de pommes de terre au fromage. Je vais vous partager la recette sûrement dans le blog. Je ne vais pas la filmer à part parce que c'est une recette qui est assez simple. Ça permet d'utiliser des restes de purée. Et ce soir, c'est les keftas aux œufs. Donc c'est avec les keftas que j'ai fait la semaine dernière. Vous voyez, avec le restant de viande, quand j'avais fait mes pizzas turques, il me restait, j'avais trop de bœuf et de d'agneau que j'avais haché, donc du coup j'avais fait cuire mes boulettes, donc je vais mettre mes boulettes dans une sauce tomate, je vais rajouter des œufs, on va manger ça avec de la semoule. Sinon j'ai au niveau du blessing poussière et miroir qu'il faudrait que je fasse, et je voudrais faire un gâteau parce que j'ai mes beaux-parents qui viennent de cet après-midi, donc je vais voir pour faire un petit gâteau pour aller avec le café. Il fait un vent de fou. Bon, allez, je vais déjeuner déjà. Et je pense qu'après, il y a les plantes aromatiques, en espérant qu'il ne pleut pas trop. Il y a la déchetterie pour Greg. Les petites fleurs aussi, mais à voir ce qu'on peut faire. Et puis logiquement, je vais recevoir mes poignées aussi, donc je mettrai aussi les poignées si j'arrive à le faire. Je pense que sur les tiroirs, je vais y arriver, mais c'est peut-être sur le haut, là où il y a la peinture. Greg, il va peut-être devoir donner un petit coup avec sa perceuse, parce que les trous se sont un tout petit peu bouchés avec la peinture. Et comme la peinture à la craie, c'est en fait c'est une peinture qui a du plâtre en fait dedans. Donc du coup, ça bouche un petit peu les irrégularités du bois. Voilà. Allez, et du coup, ça a peut-être ça bouché un petit peu les trous. Mais en tout cas, hier j'ai travaillé dessus, c'est bien parce qu'il est bien, il est plus haut que l'autre bureau que Greg m'avait fait, et j'aime bien, ça fait mon petit coin, voilà. Allez, je vais me déjeuner, on va goûter ce gorgonzola cuillère ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas le gorgonzola cuillère, en fait c'est une grosse meule de gorgonzola, et ils vont avec la cuillère et prennent l'intérieur du gorgonzola, donc qui est très crémeux, et du coup ça se sert, ça se découpe pas quoi en fait, ça se sert à la cuillère. Alors, Angel a goûté hier, il a dit que c'était bon. Alors déjà, je suis en train de préparer, bah oui, hein, ah, le petit morceau pour Marley, hein, les mouettes que j'entends. Alors ça se tartine très très bien, c'est très crémeux en fait. Alors on goûte. Ça a un goût gorgonzola mais en moins fort en fait. C'est très crémeux, c'est très bon.
Ouais. Alors, moi, j'ai trouvé la découpe. Hein. Vous voyez, au champ, mais directement à la coupe. Je pense pas qu'on trouve emballé ou quoi. Bon, allez, on va aller déjeuner. Donc, j'ai pris ça. Et puis, ananas. Et il y en a un qui attend pour avoir son morceau. Surtout le fromage. Hein? Qu'est-ce qu'il veut, Marley? Ça sent bon, hein? Mmh, ça sent bon, le fromage. J'ai fini de déjeuner et je suis en train de faire un napolitain pour ce midi. Greg, hier, m'a dit qu'il avait envie d'un napolitain et qu'il ne l'avait pas acheté. Alors, je lui ai dit, bah, c'est vrai que je peux le faire. Dis-moi, oh, c'est pour pas t'embêter. Bref. Donc, du coup, pour lui faire plaisir, je lui fais un napolitain. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé ma recette par deux parce que moi, la recette que je vous ai partagée, elle est sur le blog, hein, si vous souhaitez. C'est pour deux gâteaux. Donc, j'ai divisé par deux et j'ai testé sur une plaque à pâtisserie de mettre... En fait, moi, j'ai, vous voyez, j'ai mon moule, mon cadre qui s'agrandit. Télescopique là, et en fait à l'intérieur j'ai comme une barre, je vous la montrerai après, elle est dans le four là. J'ai comme une barre en fait si je veux diviser la préparation en deux. Donc du coup j'ai mis cette barre dans mon moule pour faire cuire. Alors vous voyez, elle est là, la barre, je sais pas si vous la voyez bien. Et en fait comme ça je fais cuire mes deux préparations en même temps. Je vais voir si ça fonctionne ou pas. Voilà. Du coup, j'ai divisé ma pâte directement en deux et je ferai deux couches chocolat, deux couches de vanille. Je vais aller faire mes poussières et puis mes vitres et les interrupteurs. Il fait un vent. Et je vois qu'il y a les pots que Greg a ramenés qui se sont envolés. Et je suis en train de me demander si... Et oui, Marley est en train de jouer avec. Je vais aller chercher parce qu'il va tous les déjà... En fait, Timberla avait demandé des pots. Vous voyez, c'est des pots en plastique, là, comme quand on achète des plantes dedans. Greg les garde parce que c'est là-dedans qui fait pousser ses tomates. Enfin, voilà, les choses comme ça. Et là, en fait, il en a ramené, donc, du coup, pour Kim qui lui avait réclamé. Le vent les a fait s'envoler et Marley est en train de les déchiqueter. Alors, il en a déchiqueté un. Les autres, je les ai ramassés et je les ai mis... Hein. Bon allez, alors, ça a l'air d'avoir fonctionné. Vous voyez, en fait c'est une séparation comme ça en métal en fait qu'on a agrandi. Donc je l'avais eu avec mon moule hein. Donc ça se vend pas à part, je pense pas. Bon après je pense que c'est possible de le faire avec plusieurs couches de, mettons, un morceau de carton enroulé dans de l'aluminium. Vous voyez, je pense que ça devrait être possible. Et voilà, et du coup moi en fait j'ai mes deux parties de gâteau. Je vais laisser refroidir et puis on va pouvoir faire mon montage. Voilà. Je suis en train de faire mes poussières. J'ai mis ma petite table ici du coup avec mes lumières. J'ai mis le gâteau. En fait, j'ai fait les couches de génoise. Je les ai mis dans le frigo. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est moins bien réussi que d'habitude. On voit que je l'ai fait un peu vite fait, mais bon, c'est pas grave. Ça, le goût, il y sera. J'ai encore le glaçage blanc à faire au-dessus. En fait, j'ai mis le chocolat fondu, vous voyez, avec de la crème à l'intérieur. La ganache, voilà. J'y arrive entre les couches. Et je me suis un petit peu dépêchée, donc du coup, c'est... Et puis, j'ai l'impression que ma génoise, elle a un tout petit peu moins gonflé par rapport à d'habitude. Je vais monter, je vais aller faire, j'ai fait les poussières du bas, je vais aller faire les poussières du haut et les vitres, et en même temps je vais ranger, enfin mes vitres, mes miroirs, et en même temps je vais ranger mon linge, et ensuite je pense que j'aurai fini pour tout ce qui est ménage. Les galettes, je vais les faire tout à l'heure en rentrant, d'avoir été chercher Stacy. Angel n'a pas cours aujourd'hui. Pourquoi t'as pas cours aujourd'hui? En fait, il avait cours que ce matin, mais sa prof, il y avait que 2 heures de cours, en fait. Et ça... Quoi? T'as qu'une heure de cours le mardi? Ah oui, de 10h à 11h. Et sa prof, elle n'était pas là. Enfin, elle avait un truc de prévu. Donc, du coup, voilà. Et il n'a pas cours cet après-midi. Vu que c'est sa semaine du matin. Allez, on va... Allez... Faire son haut. Quand il fait pas beau comme ça, je manque de motivation.
En fait, il y a plein de trucs qui me font manquer de motivation. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais comme tout le monde, en fait, il y a des moments où je suis obligée de me foutre un bon coup de pied aux fesses pour pouvoir avancer. C'est parce que je me dis, si je le fais pas aujourd'hui, je vais devoir le faire demain. Et puis, en fait, c'est pour c'est reculer pour mieux sauter, on va dire. En fait, si je le fais pas, la charge de travail va être supérieure demain. Et si demain, j'ai pas le courage, bah, ainsi de suite. Et du coup, c'est procrastiner. Et j'aime pas ça. Donc je le fais pas. On y va. Je vais aller faire mon haut, ranger mon linge, les poussières, et puis en plus ça va aller vite. Le miroir, c'est ce que je me dis pour me donner du courage. Et de moment je me dis mais t'en as pour 10 minutes et après basta, tu as fini. Et après ben je vais trouver de quoi. Je vais aller répondre à vos commentaires, je pense. Voilà. Et du coup tout à l'heure je ferai le truc et on verra cet après-midi avec Greg ce qu'on fait. J'aimerais bien aussi continuer un petit peu dans le cellier aussi. Parce qu'en ce moment je n'avance plus. Et j'ai une bouteille justement à remplir. Je vais le faire aussi après. Moi déjà je vais aller faire en haut. Ça y est, c'est fait. J'ai fini la déco du coup de mon napolitain. Il faut attendre que le glaçage prenne. Je vois que ça a coulé un tout petit peu là, c'est pas grave. Voilà. Hop. Là ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller faire un peu de rangement dans les armoires qu'on a déplacées hier. Comme ça, ben en fait, il y a des choses qui vont aller dans le bureau. Donc je vais faire le tri un petit peu. Allez. Motivation. Bon, dans une demi-heure, je vais chercher Stacy. Une demi-heure, c'est toujours ça. Ah ouais, j'ai attrapé un bouton là. J'ai rangé mon armoire. Là, ce que je vais faire, il me reste un petit 20 minutes avant d'aller conduire Stacy. En fait, j'ai rangé l'armoire qui était ici. Pour l'instant, j'ai continué à mettre mes livres de cuisine et les moules à gâteau. Mais je pense que par la suite, si je peux, j'essaierai de les déplacer dans le cellier. À voir. Voilà. Mais bon, pour l'instant, là, c'est rerangé du coup, parce que là, c'est un petit peu le... Parce qu'avec le tiroir, j'avais moins d'espace. Ouais, avec le tiroir pour pouvoir... Donc, les livres, je les avais mis dans un autre sens et ça... Voilà, c'était un peu le... Ça avait besoin d'être rangé. Allez, je vais répondre à vos coms. Comme ça, ça sera fait. Cet après-midi, Kim, elle vient à la maison aussi. Comme ça, elle verra sa grand-mère et le petit verra son arrière-grand-mère. C'est un moment qu'il les avait pas vus avec le confinement et tout. Donc, alors j'ai vu qu'il y avait un bouton. Alors du coup, moi, je vais pas arrêter d'y toucher et ça va s'enflammer. Ça, c'est mon truc, ça. Bon, allez. Je vais répondre à vos commentaires. Je vais se récupérer. Je vais sortir mes ingrédients et on va faire les galettes. Alors comme je vous dis, c'est une façon d'utiliser les restants de purée. En fait, ce qu'il faut, c'est 400 g à peu près de restes de purée, 200 g de fromage râpé, 60 g de farine, 2 oignons verts, vous voyez les oignons tiges hachés, 100 g de râpé de jambon, 3 œufs, un peu d'ail en poudre, du persil pour assaisonner, du sel, du poivre, un petit peu d'huile d'olive ou de notre huile végétale, enfin celle que vous voulez, pour faire cuire. En fait, il suffit de mélanger tous les ingrédients. Donc on mélange la purée. Alors moi je le fais dans mon kitchen avec le robot pétrisseur. Enfin je le fais avec la feuille. Ça, voilà, ça me facilite. C'est juste pour faciliter le travail. Donc en fait on met la purée, le fromage, la farine, les oignons verts, le jambon, les œufs, l'ail, le sel, le poivre et on mélange tout. En fait on met tous les ingrédients ensemble et on mélange tout. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Que ça donne, hop, une fois qu'on a tout mélangé, voilà, en fait on a une pâte quand même assez, je vais vous baisser, ça ira mieux, assez épaisse en fait, donc on va pouvoir faire des, en fait vous prenez une cuillère, vous venez les, moi je prends souvent c'est une cuillère à glace que je prends, vous faites un petit tas en fait, je vous montrerai, vous écrasez un tout petit peu, vous faites cuire d'un côté, vous faites cuire de, et vous faites cuire de l'autre en fait, donc il y a le fromage qui va fondre et tout, franchement c'est vraiment très très bon, c'est une bonne façon d'utiliser comme je l'ai dit un restant de purée, ou faire un repas très rapide parce que du coup ben, là tout est fait, il y a juste une petite salade à rajouter, voilà. Puis souvent c'est avec la purée, on ne sait pas trop quoi en faire quand il en reste. Bon après comme je vous dis, moi c'est rare qu'il en reste. Hein. Là j'ai dû prévoir exprès pour pouvoir faire cette recette. Cuisson. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une poêle, j'ai mis un petit peu d'huile. Alors moi comme je vous ai dit, je prends ma cuillère à glace et je viens faire des tas. Alors ne surchargez pas trop votre poêle parce qu'on va les étaler un tout petit peu. Allez, descends. Et bien sûr, celle-là, elle ne veut pas. Non mais... Et en fait, je viens avec une fourchette, je viens légèrement aplatir.
Alors moi je fais des petites, mais vous pouvez mettre deux boules si vous voulez l'une au-dessus de l'autre pour en faire des grosses. Alors le truc pour que ça tombe correctement, ce que j'aurais dû faire, c'est de mouiller un petit peu votre pour éviter que ça attache en fait. Vous mouillez votre cuillère. Alors est-ce que là, là ça tombe tout seul. Alors on fait cuire d'un côté et ensuite on vient faire cuire de l'autre. On fait dorer en fait d'un côté et de l'autre. Donc ensuite, une fois qu'on voit que c'est doré, on vient le retourner. Voilà, pour faire cuire de l'autre côté. Alors moi je m'aide d'une fourchette, vous avez vu, hein, et d'une pelle à gâteau. Voilà. Que c'est encore assez fragile. Hein. Au-dessus, le fait que ça fond, voilà, que le fromage fond. Ah, ça sent bon. Là, je vous montre du coup ce que ça donne. Donc une fois cuite. Voilà. Alors c'est plein de fromage, donc du coup c'est un bon goût de fromage avec le jambon. Et j'ai fait ça avec ma petite salade. Alors de temps en temps, on a un petit rayon de soleil. Qui sait, hein, mais il fait toujours autant de vent. Je pense qu'ils annoncent ce temps jusque jeudi. Allez, je vais finir. Par contre, le truc, c'est que là, tout le monde commence à manger. À moins d'utiliser plusieurs poêles. Mais voilà, tout le monde commence à manger, vous êtes encore en cuisson. C'est comme quand vous faites des crêpes, vous voyez, le matin. Et ben, voilà. Si les autres, ils veulent manger chaud, et ben, il y en a un qui se coltine la cuisson. Alors, le truc, c'est de vraiment mouiller la cuillère pour que ça se décolle tout seul. Ça fonctionne nickel. Ah zut, ma batterie qui clignote. Bon, on a mangé, j'ai mis ma cuisine en ordre, j'ai répondu à vos commentaires et tout. J'espère que je vais... Bah oui, très bien. Hein ? Lequel des bords ? Alors, je vois pas très bien. Il y a Angel qui me demande des conseils pour sa tenue. Par contre, tu risques d'avoir froid. Bon, peu importe. Celui-là, ça va, ou celui-là, comme tu as envie. Si tu as envie qu'on voit un peu plus tes chevilles ou pas. Ça sent la fille. Moi, je dis qu'il y a une fille là-dessous. Est-ce qu'on arrive à draguer avec le Covid ? Hein ? On le voit direct chez les mecs. D'un seul coup, ils ressortent, ils se rasent, souvent, hein? Alors qu'avant, j'étais obligée de lui dire, mais va te raser, on dirait Wolverine. Ils se rasent, ils se parfument, hein? Ouais, mais là, tu t'en mets plus. T'es pire que ton père, limite. Et ils font attention à comment ils s'habillent. Voilà. Oui, donc j'espère que je vais recevoir mes poignées avant que mes beaux-parents arrivent. C'est un détail, hein. Mais voilà, je sais qu'ils vont voir le meuble et j'ai envie qu'ils le voient fini. Puis je sais que ça va être les boutons. Voilà, dès qu'on met des boutons un peu originaux, ça change tout, quoi, en fait, hein. Et là, j'ai pris des boutons en céramique en forme de rose. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je les reçois aujourd'hui. Je voulais vous remercier aussi. En fait, depuis que je vous ai partagé comme quoi que j'étais affiliée à Amazon et que du coup, quand vous utilisez le lien, les liens en fait que je pour commander, peu importe l'article que vous commandez, ben j'avais une petite commission dessus. Ben vous êtes plein à l'utiliser et pour ça je vous remercie parce que du coup, ben ça me fait quelques petits sous qui rentrent dans ma cagnotte et voilà. Merci beaucoup en tout cas de ce petit geste. Après, comme je vous disais, vous étiez, enfin voilà, je voulais pas vous en parler parce que je voulais pas forcer qui que ce soit et tout à l'utiliser, quoi, en fait, hein. Mais c'est adorable de le faire.
qui m'est arrivé avec Loulou. Ah ouais? C'est qui? Il fait de ses sourires. Hein? C'est Monsieur Sourire, lui. C'est Monsieur Sourire. C'est les éclats de rire. Toujours en train de sourire. Hein? C'est qui ça, le bébé d'amour à mamie? C'est qui le bébé d'amour à mamie? Non, tu peux pas. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Je vais te faire voir. Voilà. Hop, te là, cache. On te cache. Coucou. 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 Bébé. Tu vas voir grand-mamie aujourd'hui? Et grand-papi? Ouais. Bon, j'ai toujours pas reçu mes poignets. J'espère qu'elles vont pas tarder. Greg est parti à la déchetterie là. En fait, il y avait pas mal de trucs à les vider. Et puis, je pense qu'après, il veut commencer à mettre les petites fleurs. Il se marre. Il meurt de rire. Il fait du vent. Franchement. Il fait froid, ouais. Ouais. Hein? Ouais. Ah non, mais c'est... jusque jeudi, je pense, ils ont vu. Je suis juste sortie de la voiture pour aller à l'étage, je vais... Ouais, ouais. Je pense qu'ils annoncent ça jusque jeudi. Oh non, bon, on va attendre les beaux-parents, tranquillement, on va profiter de son loulou. Allez. Les parents de Greg viennent de partir, oh là là, j'ai mes cheveux, pouf. J'ai reçu mes poignets, je vais vous les montrer. Voilà. En fait, ça fait des poignets comme ça, en céramique, en forme de rose. Alors du coup, ben, sur les poignets comme ça, ça ressort le côté blanc. J'aime bien. Alors c'était un lot de 10. Je les ai achetés donc sur Amazon. Je les ai payés 18 euros. Ça fait vraiment pas cher parce que ça fait 1,80€. 18 euros des brouettes, donc on va dire 19, mais ça fait 1,90€ en fait. La poignée, rien quoi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais me taire parce que on essaie d'endormir Loulou, il y avait du monde. Et du coup, il n'a pas su dormir. Mais là, du coup, il est fatigué. Bon, allez. Du coup, je vais aller vous mettre le lien en barre d'infos. J'attrape un de ces mâles de tête horribles. Oh là là. Qui m'est reparti avec Loulou. Il était fatigué et je sais pas, elle avait du mal à l'endormir, donc du coup elle s'est dit je vais y aller au moins voilà. En fait il a passé l'heure de sa sieste, le fait qu'il y avait du monde, il a eu du mal à s'endormir et là je pense qu'il était trop fatigué du coup, donc elle s'est dit je vais aller marcher, ça va peut-être l'endormir. Donc je suis en train de faire les boulettes, enfin les kefta aux œufs. Alors je vous ai pas partagé la recette parce qu'en fait les kefta je les avais déjà faites avec le restant. Comme je vous avais dit, en fait je les avais mis au congélateur. J'ai juste préparé la petite sauce. Alors moi pour la sauce, ce que je fais c'est que c'est des tomates que je mixe avec de l'ail, des oignons, du cumin, de la coriandre, un peu de piment, du sel, du poivre. Et là je vais faire réchauffer du coup mes boulettes que j'avais fait dans la sauce. Une fois que ça va être bien bien chaud, et ben j'ajouterai mes œufs dedans. Ils vont cuire dans la sauce quoi, en fait. Mais dites moi si vous voulez que je vous partage la recette, je la referai et je vous repartagerai la recette. J'ai fait du pain aussi. Alors avant que j'attrape mal à la tête, j'ai fait du pain. Je vais prendre mon courage à deux mains et voilà, je vais le faire. J'ai fait un pain classique quoi, en fait. Enfin du pain, c'est pas forcément, c'est pas forcément un pain aux connotations orientales quoi. En fait c'est de l'eau, du lait, de la farine, du sel, de la levure, enfin voilà, classique. Le seul truc c'est qu'il y a du lait et du lait dedans, donc ça va donner un pain moelleux. Et puis je vais faire une forme de pain plat quoi en fait. Oh là là, je vais essayer d'aller prendre un cachet, mais je pense que c'est la fatigue. En plus, je sens que c'est en train de se transformer en migraine parce que je commence à avoir envie de vomir. Ça, c'est pas bon signe. On va essayer de prendre un cachet, on va voir si ça passe. J'ai pris un cachet, on va voir si ça passe. Je vais vous montrer vite fait comment je vais former mon pain. C'est juste pour vous donner une petite idée. Donc, je vais mettre... J'ai étalé, j'ai huilé mes mains en fait. J'ai étalé mon pain. Voilà. Pour avoir un pain plat, je vais venir mettre, hop, un verre au milieu.
Je vais appuyer un petit peu. Je vais prendre une roulette et donner des petits coups dedans. Voilà. Ah, une fois que c'est fait, je prends les deux pointes en fait et je viens les rassembler pour former un peu comme une fleur en fait. Voilà. Bien. Voilà. Youp, là, on va essayer de retirer ça. Donc là, du coup, alors je le fais vraiment vite fait parce que franchement, j'ai vraiment mal à la tête. Hop là. Et là, je vais mettre des petites graines en fait pour décorer un petit peu au niveau du centre pour faire le petit rond. Donc je vais prendre des graines de sésame. On aurait pu mettre aussi des graines de nigelle aussi. Voilà. Alors je me concentre sur le centre du milieu, le petit rond. Et voilà. Hop. Là je vais relaisser lever et puis ensuite j'aurai plus qu'à l'enfourner. Greg est parti prôner Marley. Moi, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Je vais aller finir de le monter et je vais aller prendre ma douche. Je sais même pas si je vais manger ce soir parce que là, l'envie de vomir, elle est énorme. Voilà, quand ça nous prend, hein, les migraines. Je vous montre le pain et puis je vous fais des bisous. Alors déjà, le pain. Voilà ce que ça donne, du coup. Hop, on va le laisser refroidir. Faire des bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous, j'espère, sans un mal de tête. Encore, c'est le mal de tête, ça passe quoi en fait. Enfin, ça passe. Je veux dire, je peux le supporter. C'est l'envie de vomir qui me... Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain, en meilleure forme. Bye, bisous, à demain. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away.